Salut, c'est Saisonniskikus. Je suis déguisée en papillon. On est au mois de mai. On est le 30 mai. C'est presque fini, déjà. C'est tellement beau le mois de mai. J'espère que vous avez passé un beau mois. Moi, mon mois de mai était plein de Star Wars, de Jane Austen, de fleurs. Parlant de fleurs, le thé noir aromatisé à la rose, ben avec des pétales de rose dedans. Oh, c'est tellement. Tellement délicieux, je vous le recommande. Avec un petit peu de sucre, un petit peu de lait, de peu importe. Moi, je prends du lait d'avoine. Et, génial. Il y a une affaire dont je voulais parler aujourd'hui. C'est très sérieux, non, c'est pas sérieux du tout. C'est juste que j'ai découvert ça il y a un an à peu près, parce que c'est comme, c'est là que c'est sorti. Puis, c'est dans le titre, là. Je vais pas tourner autour du pot. Cottagecore, j'ai tombé là-dessus sur Internet, puis j'étais comme, mais c'est mon mois de mai, donc c'est super le fun. J'aime ça avoir des mots-clés comme ça qu'on peut chercher, puis là, il y a plein de jolies images agréables d'idées. Ça, toute cette histoire-là d'esthétique, puis de machin, puis de Dark Academia, puis tout, j'ai capoté, là, j'ai sauté là-dedans, je me dis, ah, oh, ça c'était le mois, ah, oh, ça c'était le mois, Dark Academia c'est novembre, puis Cottagecore c'est mai, puis Cryptid Core c'est mars, puis en tout cas, je capotais. Bref. J'ai trouvé quelque chose l'autre jour, ben, je suis tombée là-dessus. Un tag, je sais pas, on dit-tu un tag en français, je sais pas, mais un vidéo avec des questions, que tout le monde se pose les mêmes questions, puis répondre aux questions. En tout cas, j'ai jamais fait de tag. Je me suis dit, je vais faire un tag Cottagecore. Fait que j'ai noté les questions, puis j'ai réfléchi un tout petit peu pendant que je les écrivais, mais je vais peut-être faire. Faut que je réfléchisse à mesure, on va voir. Je vais essayer d'être le plus spontané possible. Donc, c'est parti. Première question. Une. En plus, la vidéo était en anglais, donc je vais. Ça va être traduction simultanée approximative. Une odeur, un parfum que vous aimez. Le lilas. J'aime beaucoup, beaucoup. L'odeur du lilas. J'ai une grosse bougie au lilas dans le salon. Road trip ou camping? Camping! J'adore le camping. Road trip? J'en ai pas fait beaucoup. J'aimerais ça découvrir les joies des road trips, mais camping, j'aime beaucoup, beaucoup. Une chanson pour s'endormir. Je sais pas. Probablement de la musique de film, parce que j'ai tendance à m'endormir en écoutant des films. Je trouve ça vraiment rassurant. Trois fleurs dont vous avez besoin dans votre jardin. Les roses. Du lilas. Je sais que c'est un arbre, mais ça compte. Et les gloires du matin. Fleuve ou rivière? Je sais pas trop. River, fleuve, rivière ou lac? Rivière. Fleuve, fleuve, fleuve. Fleuve Saint-Laurent. Ma patrie, je m'ennuie. Je suis loin de. Bref, on s'embarquera pas là-dedans. Oui, j'aime beaucoup les lacs. Comme un chalet sur le bord. Voyons! Un chalet sur le bord d'un lac. Merveilleux. Mais fleuve. Si vous pouviez avoir une mini-version de n'importe quel animal, lequel choisiriez-vous? Je vais pas dire licorne parce que. Ben pourquoi pas. Ce qui me passe par la tête présentement, c'est une mini licorne, un mini dragon, comme les fairy dragons, là. Oh, c'est tellement chou. Mais attends, là. Mais n'importe quel animal en minuscule, ça serait cute, là. Peut-être quelque chose qui d'habitude fait peur, mais en petit, ça serait cute. Quoique pas trop petit, parce que si tu le perds dans la maison, ça c'est. Faudrait pas que ça soit comme une taille coquerelle, de quelque chose de. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu. Avoir un peu la pression. Je veux dire dragon. Un mini dragon. Observer les nuages ou les étoiles. Les étoiles. Observer les étoiles. Si vous pouviez avoir un seul talent artistique, lequel ce serait? La musique. Je garderais la musique. Si je pouvais en avoir plus, un que j'ai pas, que j'aimerais avoir. Si je pouvais en avoir comme un supplémentaire, lequel ce serait? Que j'aimerais ça pouvoir dessiner parce que c'est pas j'ai pas c'est pas un talent que j'ai, mais si c'est ça, le concept de pouvoir en garder juste un ou en avoir juste un. La musique. Fleurs pressées ou fleurs séchées? Fleurs séchées? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire pressées. Je veux
je veux dire pressé. Parce que les fleurs séchées, là, en écoutant la vidéo du tag, j'avais jamais réfléchi à ça. Puis je me suis dit, ben oui, dans le fond, j'ai plein de fleurs séchées que j'ai accumulées au cours des années. Puis je sais pas quoi faire avec. Sont comme, à mesure, elles finissent toujours par se briser, par s'effriter, parce que je sais pas quoi. Puis mettre des fleurs séchées à l'envers sur le mur, je trouve ça un peu triste. Puis là, je me suis dit, ben voyons, pourquoi j'essaie pas de les presser. Donc, j'ai pressé des petites fleurs de lilas. Puis c'est super chou. L'autre jour, dans mes Jane Austen. Puis là, l'autre jour, je lisais. Puis là, ça va vite, presser des fleurs, je sais pas. Bref, je lisais, puis là, oh, petite fleur de lilas, c'était super chou. C'est le fun. Donc, oui, fleurs pressées. Depuis récemment. Si vous pouviez être n'importe quel caractère, ah oui, n'importe quel caractère fictif de fiction pour une journée, ça serait qui et pourquoi? Là, c'est sûr que je suis influencée par qu'est-ce que j'ai écouté récemment. Je dirais les livres aussi, mais bref, j'ai réécouté les fées de Disney. La série de films sur les fées. Et oui, donc, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais la fée pirate, je pense que c'est le dernier film, parce que elle a la, voilà, spoiler si vous l'avez pas vu, là, mais sinon, écoutez, là, c'est super le fun, ce film-là. Elle fait de l'alchimie avec la poudre de fée, puis là, elle peut créer de la poudre de fée de toutes les couleurs, puis recréer les talents différents des filles, donc la lumière, les fleurs, les animaux, là, tout ça. Parce que je réfléchissais, je me disais, ah oui, une fille, mais laquelle? Puis je me suis dit, si je prends celle qui peut tout faire quoi, que n'importe laquelle des filles qui est amie avec pourrait faire comme, peux-tu essayer la lumière aujourd'hui? Mais bref, oui, une fille. Des bottes ou pieds nus? Ça, là, ça, j'y ai réfléchi, ça m'est resté dans la tête, les deux, je peux pas. Mais j'aime beaucoup que ce soit bottes ou pieds nus parce que c'est ma vie. Je veux dire, les souliers, je sais pas trop quoi faire avec des souliers à part faire du jogging. Mais oui, c'est soit bottes ou pieds nus. Des sandales peut-être des fois l'été, là. Statue de marbre ou de bois, là. Carvings. Du bois gossé, non? En tout cas, des sculptures de bois ou de marbre. De bois, je dirais, quoi, que les statues de marbre. Quand je vois, quand je lis cette question-là, statue de marbre, je vois le hall dans la version 2005 d'Orgueil et Préjugés avec le buste de Darcy. C'est tellement lumineux, cette pièce-là. J'adore cette scène, c'est super. C'est super. Et en plus, Elisabeth est vraiment drôle. Elle est comme... Is she home? Oui... Si vous aviez la capacité, être capable de jouer de n'importe quel instrument, lequel choisiriez-vous? Oui, donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez que je m'amuse avec différents instruments. Mais j'ai une liste d'instruments, d'autres instruments que j'aimerais apprendre, parce que c'est super le fun. Puis, sauf que si je lis la question comme si je pouvais avoir la capacité de jouer de n'importe lequel, comme pouf, je suis capable. Je dirais l'orgue, parce que ça m'impressionne tellement, là. J'ai déjà de la misère, clavier, j'essaye, mais c'est très modeste, mon affaire. Puis, j'ai ça en commun avec Elisabeth Bennett. Donc, déjà, les deux mains, puis là, les pieds. Puis là, en plus, c'est tellement beau, l'orgue. J'adore l'orgue. Oui, entre autres, la trame sonore Pierre des Caraïbes. C'est ça. Oh! Puis évidemment, d'aller visiter une belle église et voir l'orgue. Non, là, c'est juste merveilleux. Donc, oui, si je pouvais faire comme clac, puis je suis capable, je prendrais l'orgue. Sinon, un examen. Non! Faut penser à ça aujourd'hui. Un instrument qui est pour de vrai sur ma liste, j'aime beaucoup apprendre à jouer de la harpe. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est mes ailes qui font que ça me tente de mimer. Oui. Déjà 9 minutes et 22, on va se grouiller. Dentelle et linge. Parce que je sais jamais si ça coupe. De toute façon, j'arriverai pas à garder ça en dessous de 10 minutes. Là. Je sais pas si ça va couper. Je pense pas. Je pense que j'ai fait des vidéos plus longues que ça. C'est pas grave. Ok, on continue. Dentelle ou linge dentelle. C'est quoi la dernière chose que vous avez cousu? La dernière chose, pour de vrai, c'était j'avais une pile de reprisage à faire, fait que ça, c'est pas super intéressant, là. Mais le dernier projet complet que j'ai fait, c'était une jupe pour compléter mon uniforme de Poudlard, parce que
Bon, là, ça fait 10 minutes, c'est pas grave. J'avais. À chaque année, à chaque 1er septembre, vous le savez peut-être, si vous êtes pas nouveau sur ma chaîne, si vous avez vu ce vidéo-là. Mais le 1er septembre, je fais toujours la rentrée à Poudlard, puis là, je mets mon uniforme, qui est semi. Je veux dire, une blouse blanche, puis ma cravate Gryffondor. Puis. Mais à chaque année, j'essaye une jupe que j'ai dans mon garde-robe, puis c'est jamais comme la bonne jupe. Puis là, l'autre jour, je fouillais dans mes affaires de couture dans mon tissu. Puis là, j'ai trouvé une pièce, des retailles de quelque chose. Puis là, j'étais comme, c'est gigantesque comme retaille. Je pourrais me faire une jupe là-dedans. Attends, j'ai une fermeture éclair. J'en avais une. Il m'en restait le tissu était noir. Puis j'avais une fermeture éclair bordeaux. Là, je me suis dit, on va la voir, mais en même temps, c'est comme ça fit avec Gryffondor. Fait que bref, j'ai fait une jupe. C'est même trop long, mon histoire. J'ai fait une jupe pour mon uniforme de Poudlard. Et la dernière que... Non. Avant-dernière, le pouvoir de parler aux animaux ou aux plantes? Aux animaux. Pas facile. J'aimerais savoir les deux, mais les animaux. Et mur de pierre ou clôture de bois? Mon carnet, il fit. C'est thématique. Les murs de pierre, c'est pas facile non plus parce que les murs de pierre, c'est comme le château médiéval avec la vigne. Enfin, les clôtures de bois, c'est vraiment pittoresque. Et y a-t-il un autre mot que Pas facile. Pas facile. Les deux. On va tricher, puis on va dire les deux. Donc, oui, c'était mon premier tag. Tu peux énerver? Alors, je vais arrêter ça là et vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon. Une bonne fin de mois de mai et on se revoit bientôt pour plus tard le mois prochain. Bien, en tout cas, c'était Sesame Kikus en direct du mois de mai. À la prochaine!